Mais je dois vous dire, avec un tel moment, les détenues sont vraiment contentes parce que vivre dans une telle situation, c'est vraiment dur, c'est vraiment accablant pour les détenus. Donc voilà pourquoi je me sens très bien aujourd'hui du fait que elles vont recevoir ce concert-là de la part de notre ami Bello, qui l'année dernière nous avait déjà offert un concert à l'occasion de la Saint-Valentin. Question de détention préventive que nous avons aujourd'hui, c'est parce que peut-être qu'il y a une certaine lenteur au niveau de la justice, mais moi je ne peux pas dire que les détenus ne sont pas coupables ou non. La structure de la prison, parce que c'était pas faite pour accueillir toutes les détenues que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a environ 289 détenus, mais en ce qui a trait aux soins, je crois que l'État haïtien a fait le nécessaire pour donner les soins nécessaires aux détenus, parce que nous avons des médecins, nous avons des infirmières, et puis on donne de la nourriture deux fois par jour aux détenus et elles prennent leur douche deux fois par jour. Donc pour les soins sanitaires, ça va un peu. Mais pas que vous me parlez de Saint-Valentin, comme d'ailleurs Augustin, ou bien Valentin, comment ça? C'est toute fille, c'est pour tout garçon. Mais mesdames, vous venez privatiser bagalan, c'est comme si c'est pour une seule mal faite, pour le faire d'une seule façon. Vous donnez tout dans le téléphone. Chérie, je veux du chocolat. Chérie, moi je veux du chocolat, chocolat. Baby, where is my chocolate? Oh oh. Les contrats, tout n'est pas mal matou. Depuis que le premier appel, vous avez dit, pas de réseau. C'est un moment de désaccueillir, il fait oublier Simon que nous gagnons, problème nous. C'est pour que trois Simon. Premier Simon a 9 ans, deuxième a 7 ans, troisième a 3 ans. Avec monsieur. Oui, moment de détente. Oui, son moment de détente, de recueillement, il est pour nous. Donc, il fait nous oublier tout ce qui nous vient en prison, hein. Problème petit nous dehors, activité nous vient dehors, il fait nous oublier tout moment ça. Ce n'est pas facile, mais on travaille pour améliorer le cadre de vie de tenue. Je pense qu'il y en a. Puis, une question, c'est détention préventive prolongée. Mais le ministère de la Justice déjà travaille sur des stratégies pour comment qu'ils sont capables de sortir là-dedans petit. En tant que ministre chargé des droits de l'homme, moi, je crois que si y a un gros rôle que je gagne, c'est garder comment, effectivement, nous sommes capables d'abord ouvrir un dialogue social avec tous les détenus dans la prison pour reconnaître que c'est le monde, tant que tout le monde.